Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va ouvrir deux tripacks. Donc un tripack Evoli, gardé par le petit l'Arméléon, fidèle, toujours au poste. Et puis le tripack avec la carte Pyroli, donc gardé par le Métamorphe, le petit nouveau venu dans l'équipe. Voilà, donc avant ça, je voulais vous parler d'une offre super intéressante pour vous, amis collectionneurs, collectionneuses. Il y a actuellement, pour l'achat d'un booster Ténèbres Embrasées, un booster Clash des Rebelles offert. Donc ça veut dire les boosters à moitié prix. Donc moi je les ai pris au Jouet Club à Alkirch. N'hésitez pas à aller en chercher. Donc ça se présente sous cette forme. Donc comme ça, vous avez un booster Ténèbres Embrasées, un booster Clash des Rebelles. Voilà, donc j'en ai pris 50. Donc ça va faire, ce sera pour les prochaines vidéos, ce sera une méga ouverture de fou. Donc je vous invite à vous abonner pour suivre ça. J'espère qu'on va avoir des trucs de malade. Voilà, donc voilà, c'est tout pour ce petit moment pub. On va partir tout de suite sur les ouvertures. Donc on va ouvrir, je vais pas faire tomber le Larméléon. Tiens sur tes pattes, voilà. Et donc on va ouvrir les deux tout de suite. Donc il y a un joli petit bouton Fion. Il est sympa. Voilà, on a détruit tout. Donc on vous a même pas montré l'arrière. Voilà, donc le Eternanos, Pokémon V, Scolosson V, Mew V, Flagados. Voilà, des belles cartes qu'on a dans cette nouvelle collection. Donc on espère avoir des trucs de fou. Donc aujourd'hui et dans la méga ouverture qui va arriver. On va y arriver. Il veut pas. Voilà. Alors, on va ouvrir tout de suite les deux. Donc on a dans les tripacks, comme son nom l'indique, on a trois paquets. La carte promo Pyroli. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Et en plus elle est pas trop mal. Elle est pas mal à jouer. Et puis le Evoli. Voilà, on détruit tout. On y va. Et on va essayer de pas abîmer la carte. Voilà. Alors, on a ça. Et puis, on a le petit Pyroli. Le petit Evoli. Pokémon que j'adore. Evoli qui est mon Pokémon préféré. Depuis la première génération, Evoli reste mon Pokémon préféré. On va enlever tout ça. Je vais vous montrer encore le petit jeton. Voilà le petit jeton. Franchement, qui est très beau. J'adore. Je pense que je vais garder. Gardez celui-là. Donc j'en ai deux en plus. Voilà, on met tout ça de côté. Et puis, du coup, on a les 6 boosters. 6 boosters. Donc 6 boosters, ça permet de faire plein de choses. On va y aller. On va ouvrir tout ça. Allez, les jetons Fion et puis les cartes vont nous porter chance. On est parti. Donc j'espère que vous appréciez cette nouvelle collection. Franchement, moi j'adore. Les cartes sont vraiment très belles. Il y a des Pokémon intéressants. Il y a des trucs sympas. Donc on attaque tout de suite. Allez, passe au rouge. Dynavolt. Très très belle illustration de Dynavolt. Vous voyez bien, ouais. Feuille à joue. Pokémon que j'aime bien, les trois types là, c'est sympa. Hermure, des très très belles illustrations pour toutes les cartes. Donc c'est dans les premiers paquets qu'on ouvre, donc on s'attarde un peu sur les illustrations parce que elles sont vraiment belles et tourmis avec l'effet de vitesse derrière. Énergie métal, flotte ou temps, sympathique. Feuille ou temps, ben, je parlais des trois Pokémon qui sont sympas, là on a les deux. Manque juste la dernière évolution feu. Fossile rare. Tauros en reverse. Sympa aussi l'illustration.
J'aime bien. Et puis, tout de suite, Dratak V en ultra. Eh ben, on commence fort. Dratak V direct. La classe. La classe. Ouais, rien d'autre à dire, c'est la classe. Une très belle carte, direct au premier paquet. Allez, on enchaîne. Ah là là, direct premier paquet, c'est ouf. Skitty. Tic. Tadmorv. Les illustrations sont ouf, Monsieur Mime de Galard. Pareil, des très très belles illustrations. J'adore. Dynavolt qu'on a vu juste avant. Energy Psy. L'énergie. Lampignon. Sympathique. Étourvol. On a vu pas mal de fois étourmis. Premier étourvol. Flamajou. En reverse. Ah, on en parlait juste avant. Et puis. Sarmurai. En reverse. En holo. Holo, Sarmurai, évolution de Sauf Kipou, sympa, une belle carte, bah hé, on est pas mal pour ce petit tripack là, on est vraiment content, c'est sympa, allez, on enchaîne direct, allez, on a un petit Polarum, j'aime bien, sympa, mignon, Hermure, Scrutella dans le parc la nuit. Paras, très belle ouverture. Wat Wat, énergie haut. Flamoutan, eh ben on aurait eu les trois dans l'ouverture, sympathique. Donc le petit Flamoutan, l'évolution de Flamajou qu'on vient d'avoir en reverse chez Rostower. Donc là c'est ce que vous entendez, c'est mon lapin qui fout le bordel juste derrière. Chez Rostower, petit stade. Oursaring. Petit oursaring, sympathique. Il va t'en coller une là. Tu vas le sentir passer. Croquine en reverse. Pokémon sympathique. Et tout de suite, oh là là. Qu'est-ce qu'on a? Eternanos VMAX Full Art. C'est la folie. Waouh, c'est dingue. Ouais, mais c'est dingue. Elle est ouf. Elle est trop belle. Eternanos VMAX. Et on est à la moitié de l'ouverture. On a eu une full art, une ultra. Ouais, c'est dingue. J'espère que vous la voyez bien là. Comme ça, vous voyez bien le grain. Oh, ça envoie du steak. Alors, c'est au Pokémon à jeu, sont des. Jusqu'à 8 Pokémon sur 20 bancs. Ok, d'accord. Ouais, intéressant. Donc avec un deck... comment c'est? Ténèbres. Avec un deck ténèbres, il y a beaucoup de potentiel sur cette carte. Allez. On enchaîne tout de suite avec Étourmi. Poussifeu. Vorastéri. Tic, j'adore vraiment l'illustration, elle est vraiment très belle. Un seul lourdo dans le noir, énergie plante, stade smashing. Ok, sympathique. Floatoutan, je pense qu'on va les voir souvent en fait. Galégon, du coup dans la collection on va y avoir un beau Galéking. Étourmi reverse. Et on en parlait, Galéking, mais c'est vrai qu'on a déjà eu Galéking en holo. Une très belle carte. J'aime bien. Il est badass. L'illustration, elle montre bien sa puissance. Et bien sur 4 boosters, 2 holos, une ultra, une full art. Qu'est-ce qu'on nous réserve encore? Je sais pas. On va voir. Alors, Monsieur Mime de Galard, Dynavolt, un seul lourdo. Croquine, parce que ça on a déjà vu. Mimigal, je crois qu'on n'a pas encore vu le petit Mimigal. Une belle illustration aussi.
J'adore. Énergie plante. Et flèche. Évolution de brindibou. Sympa. Sympa, assez forte. Une énergie, fait 40 dégâts. C'est sympa. Pas ouf, mais c'est sympa. Scélérock. Scélérock, qu'on n'avait pas eu, qui est sympa, avec la petite lune, la petite lune en face de la lune. Flotoutant. Goupilou, en reverse, sympa, la petite famille de Goupilou. Et puis, Flambusard, en rare. Elle est très belle la carte, l'illustration est vraiment très belle, ça fait vraiment le rapace. Le rapace qui est en mode chasse. Allez, et on arrive déjà sur le dernier booster. J'espère que vous appréciez. J'espère qu'on va encore avoir quelque chose. Donc, on attaque le dernier booster. Allez, c'est parti. Donc, Snubbull qui se promène tranquillement. Watt-watt. Flamajou. Solochi. Solochi, une des plus belles illustrations. Je pense que c'est. Voilà, je vais y arriver. Je pense que c'est une des plus belles illustrations dans cette collection. Charibari. Énergie ténèbres. Fossile rare. Triopiqueur. Flamoutant. Donc on aura eu les trois souvent. Scrutella. En reverse. Et on finit sur. Flambusard, un deuxième Flambusard. Voilà, donc une belle ouverture. Une belle ouverture. On a eu deux Flambusards. Bon, on peut pas se plaindre. On a eu deux holos. Donc Samurai, Galekin, des belles cartes. Et puis ensuite, on a le Dratak V. Et puis Eternanos VMAX. Donc pour deux tripacks, six paquets, on peut vraiment pas du tout se plaindre. Une très 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 belle ouverture. Donc j'espère que vous appréciez et puis abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour suivre, il y aura bientôt la méga ouverture, donc ça va être juste dingue. Voilà, à bientôt, c'était Alderboom, à plus, ciao!